Bonjour, je suis Chloé Pableux, je suis ingénieure chez Tiamat Energy depuis un an et je travaille sur la synthèse de matériaux d'électrodes positives pour batteries sodium-ion. J'ai commencé avec une formation d'ingénieur. J'ai été diplômée en 2019 de l'école de chimie de Rennes où j'ai fait le master chimie du solide et des matériaux. Suite à ça, j'ai été embauchée d'abord au CNRS où j'ai pu faire ma première expérience dans les batteries sodium-ion également, où c'était un projet avec Tiamat pour le développement également de matériaux d'électrodes positives. Donc là, on était sur un matériau pour les batteries de puissance. J'ai été embauchée par Tiamat à la suite de ce projet-là. Donc je continue à travailler sur ce matériau-là, mais du coup pour l'upscale de la synthèse. L'idée est de commencer à faire des prototypes pour différents clients. Et ensuite, on commence à travailler sur une nouvelle génération de batteries, donc des batteries de densité d'énergie. Je dois développer tout le matériau pour rendre le process industriable et passer de l'échelle labo à l'échelle pilote qu'on a ici à Amiens. Je synthétise différents matériaux, souvent je les caractérise et derrière je fais des cellules, donc soit des piles boutons pour commencer, donc vraiment les piles qu'on a dans nos montres, ou des batteries 18650 qui sont un plus gros format pour tester et voir les conséquences sur les performances électrochimiques de ces matériaux sur la cellule. On voit les capacités, la perte de capacité dans le cours du cyclage, la résistance de la batterie. En parallèle, je suis également en charge de la ligne de production qu'on a ici à Tiamat, donc c'est la ligne de production de 18650 à laquelle on a accès grâce au CNRS. En fait, on est localisé dans les locaux du CNRS. C'est un process semi-automatique. Du coup, l'idée, c'est qu'on a quelques techniciens qui font une partie du process à la main. Du coup, j'apprends à manager. C'est ma première expérience en tant que manageuse. En école, c'est sûr qu'on avait des cours, mais c'est quand même assez différent la réalité. Donc, j'apprends ici. Et c'est hyper intéressant, le côté humain. En plus, c'est des personnes qui s'y connaissent un peu moins en batterie. Donc, expliquer pourquoi les enjeux de telle manip ou telle manip, c'est vraiment très intéressant. Et puis, de voir quand on peut accomplir des belles choses tous ensemble, d'aller jusqu'au bout des projets, c'est très intéressant. L'avantage des batteries sodium-ion, c'est qu'on est une alternative aux batteries lithium-ion. La chimie est très similaire, donc on adapte un peu les procédés. Ensuite, on a une sécurité qui est plus importante. En plus, avec les mesures en vigueur pour supprimer les voitures thermiques en 2035, tout ça a été à prendre en compte. Ça fait partie du processus pour aller vers la transition écologique. Depuis un petit moment, je suis sensibilisée aux enjeux environnementaux. Je ne sais pas si c'est depuis toujours, mais maintenant, ça prend une place importante dans ma vie. Et je pense qu'avoir un métier qui a du sens et qui participe un peu à cette partie-là, c'est indispensable. Je ne me verrais pas ailleurs travailler sur autre chose sans prendre ça en compte. Clairement, ce qui m'a attiré que Tiamat soit une start-up, de faire partie d'un projet qui était un peu au début, de voir tous les challenges qu'il y a pour aller justement dans l'étape usine après, derrière, voir tout ce qui est à prendre en compte, et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Tout ce qui est upscale, design de l'usine, tout ça, moi, ça, c'est exactement ce sur quoi je voulais travailler. Le petit challenge, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un risque, même si le risque est assez faible, voir si on y arrive tous ensemble et voir tous les problèmes qu'on peut avoir à actuellement, comment faire pour pas qu'ils se produisent le jour où on aura l'usine. On apprend énormément et on a accès à beaucoup de matériel et de connaissances en étant ici.